Certains disent que les chrétiens ne devraient pas être pauvres. Ils considèrent que Dieu bénit en envoyant ses richesses matérielles, financières. C'est les richesses d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui inspirent ce genre de théologie. Mais est-il validé par la Bible? En lisant 2 Corinthiens chapitre 8, on se rend compte que la grâce de Dieu va produire des effets. Et c'est intéressant de lire quels sont ces effets. Voyez-vous, la grande question sera non pas pourquoi donnons-nous, mais à cause de quoi nous donnons. Et nous saurons à ce moment-là combien il nous faudra donner. 2 Corinthiens chapitre 8 va briser en mille cette fameuse théologie de la prospérité. Dieu bénit. Oui, lisez 2 Corinthiens 8.